Au tout début, les élèves ont eu beaucoup de mal à vraiment s'adapter et s'habituer à devoir bien trier leurs déchets. Ça fait à peu près presque un an maintenant qu'on a les tables et que ça se passe de mieux en mieux. Si vous pensez que ça vaut le coup, c'est que vous vous sentez concerné. Est-ce que c'est le cas de tous les élèves du lycée? Ça dépend des gens, il y en a qui sont plus ou moins concernés. Moi, je me sens concernée parce que ça ne me dérange pas, parce que je trouve que c'est bien pour l'environnement. Après, il y en a qui trouvent ça inutile, qui ne sont pas d'accord avec ça. Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir d'autres pas dans le gaspillage des déchets et voire même dans les changements d'habitude des élèves? C'est l'avenir de faire le tri. À la fin, ça vaut quand même le coup. C'est des hydrateurs. Voilà, des hydrateurs, oui. Après, contenir à peu près 100 kg de déchets. D'accord. À la fin, on peut avoir 30 kg de déchets traités. Et après, il tourne combien de temps? Pour 15 heures. 15 heures? Voilà. 15. Ensuite, le substrat, il va dans cette caisse. Voilà. Et c'est celui-ci que l'agriculteur, M. Vandal, récupère. On fait du blé bio. Il est transformé sur place, il est livré à 5 km de la ferme sous forme de pain. D'accord ? Vous mangez tous les jours, on récupère le substrat qui refait 5 km dans l'autre sens, qui est composté, qui est remis dans les champs, lesquels champs servent à produire le blé. Et c'est ça qui est intéressant. Le puits court, ce n'est pas dans un sens, c'est dans les deux sens. Vous avez d'abord le produit que vous mangez à la cantine. Mais de l'autre côté, la cantine fait des déchets, et ces déchets, c'est mieux qu'ils n'aillent pas dans l'incinérateur, parce que ça pollue, qu'ils ne fassent pas des millions de kilomètres dans un camion, etc. Donc là, ils reviennent dans l'autre sens. Et c'est ça qui est intéressant.